Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo de notre potager 2016. Cette vidéo va concerner le palissage en fait de nos plantes tomates là, parce que comme vous pouvez voir ça va être difficile de passer entre. Donc on va vous montrer comment on attache les tomates maintenant qu'on a le grillage. Là je vais m'occuper de ce couloir parce que là c'est vraiment le bordel, on pourra jamais passer. Donc on va attacher tout ça. Comme expliqué dans d'autres vidéos, le but c'est de passer les têtes et les branches dans les mailles du grillage pour les tenir plutôt qu'utiliser des liens qui sont consommables en fait et qui vont se bousiller au fil du temps. Donc je vais faire ça là. Le problème là c'est qu'on s'y est pris un peu tard parce que moi j'étais pas disponible et voilà, on n'était pas disponible pour faire ça donc là voilà. Alors ça peut arriver que ça casse parce que c'est quand même assez fragile donc c'est un peu délicat parfois. Le problème c'est qu'ils sont trop grands, il aurait fallu le faire dès le début, mais vu qu'on ne pouvait pas. Sinon après il va falloir qu'on utilise des liens pour les parties qui sont vraiment trop grandes.
là déjà j'en ai attaché un petit peu. On peut déjà un peu mieux passer ici. Donc là le résultat après un petit moment. Donc maintenant on a un couloir qui se dessine, qui nous permet de pouvoir avancer sans trop bousiller les plants. Surtout faire tomber les tomates quand il y en aura, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui est là. Et je me suis aperçu tout à l'heure qu'il y avait des espèces d'araignées blanches ou araignées rouges, je sais pas trop ce que c'est. Enfin, j'appelle ça araignée, mais je sais pas. Ça là, il y en a un peu partout là, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Voilà, le bourrache aussi on attache. En fait, sa première année qu'on en plante, je savais pas que ce serait aussi grand et aussi envahissant, parce que quand même ça dépasse pas mal. Mais sinon c'est en bonne voie pour terminer ce couloir. Voilà la rangée, une fois terminée. Maintenant on peut passer sans souci. Voilà, on a aussi fait celle-là. Il nous reste celle des côtés. Donc là on voit que c'est pas la même chose. Elle n'a pas été faite. En plus ici on a le chevreuil qui a sauté dedans, qui a piétiné quelques plants. Voilà. Et celle-là n'est pas faite non plus. On a les deux centrales qui sont finies. Voilà, maintenant tous les couloirs sont faits. On va pouvoir passer tranquillement. Voilà, et continuer d'attacher au fil du temps. Ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder un peu quotidiennement en fait, et pour attacher vos plants. Parce qu'après, si on attend trop, ben, c'est un peu le bordel. Voilà, voilà pour cette petite vidéo. À plus.